Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser Ajax avec PHP et jQuery. On va regarder un fonctionnement d'un petit formulaire donc, qui permet de faire une addition. Donc on peut saisir deux nombres, cliquer sur calculer et puis ça va nous afficher le résultat du calcul en dessous. Alors nous ce qu'on va faire c'est que ce résultat de calcul, on ne va pas le calculer du côté par le navigateur web. Qui affiche les pages, hein. On va pas le faire du côté du client. Ce navigateur, il va faire une demande, donc une demande asynchrone au serveur. Et le serveur, il va exécuter un script pour faire le calcul et il va donner comme résultat le résultat de ce calcul. Et côté navigateur, on va récupérer le résultat de ce calcul et on va l'afficher. Donc on va utiliser Ajax. Alors les fichiers permettant de faire ça, donc c'est la page index.html, donc qui contient le HTML plus l'inclusion du JavaScript. Notre JavaScript, il s'appuie sur la bibliothèque jQuery et c'est lui qui fera une demande Ajax vers le serveur. Et il appellera une page, donc un fichier sum.php qui sera évalué sur le serveur et dont la réponse sera renvoyée au script JavaScript. Alors, pour faire ça, on va démarrer donc notre serveur. Donc voilà, je démarre le serveur, je récupère l'URL, je la colle, voilà, ok, on a notre formulaire. Alors là, c'est intéressant de regarder de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on demande notre page qui s'affiche, en réponse 200, la librairie jQuery, la bibliothèque jQuery est chargée. Le JavaScript aussi, il n'y a pas de favicon, donc voilà. Donc on a l'affichage ici qui est fait. Ici on va taper un premier calcul, par exemple 89 plus 56. Quand on fait calculer, le résultat est affiché, donc ça c'est important, hein. Donc on obtient bien ce qu'on veut. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a une demande qui a été faite, donc un fichier qui s'appelle sum.php avec NB1 égale 89. Et NB2 égale 56. Donc c'est notre appel asynchrone et le résultat de ce script est affiché ici. Si on refait par exemple un autre calcul et qu'on refait calculer, on a à nouveau que le fichier sum qui est .php qui est appelé. Donc ça c'est important de bien comprendre ça. Hein. C'est cette page index.html reste toujours ici et le fait de calculer ne fait appel que le serveur n'est sollicité que pour l'exécution de sum.php. Donc maintenant on va regarder un peu les scripts hein, pour comprendre ce qui se passe. Alors on va regarder les trois voilà, on va regarder les trois sources. Alors côté HTML, bon bah voilà, on a deux inputs texte NB1 NB2 pour soumettre le formulaire. Donc on a calculé qui permet de faire la soumission. Donc forme nombre. Quand on va voir dans le JavaScript, donc on se retrouve donc avec voilà, donc c'est ici que ça se passe. Donc quand on soumet le formulaire, on récupère NB1, on récupère NB2. La somme. Donc, SOM, c'est une variable pour dire voilà, c'est l'endroit où on doit afficher le résultat. Donc, il est ici dans un span, IDSOM. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire une demande donc, avec jQuery. On va utiliser la méthode Ajax donc, qui permet donc, à laquelle on doit passer un ensemble de paramètres. Alors, c'est là que c'est intéressant. Donc, on va dire que c'est une demande qui va se faire en GET. C'est pour ça que ici, sur la ligne de commande, on voit les paramètres apparaître, NB1 et NB2. Ensuite, il y a l'URL donc sollicité, c'est sum.php, donc c'est le programme qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on lui transmet comme information? Bah, NB1 et NB2. Bon, par simplicité, donc la valeur transmise, on va l'appeler NB1 ici, et l'autre NB2. Le retour d'information, on veut que ce soit du type HTML. En gros, ça veut dire que c'est du texte. Voilà, c'est tout. C'est pas du, ça va pas être structuré. Ça va être un ensemble de textes. Un timeout auquel, si ça répond pas. Alors, success, ça c'est important. Cette demande elle va être faite au serveur. On va demander. Ce serveur peut nous répondre avec succès, donc nous renvoyer une réponse, ou il peut y avoir une erreur.
Donc succès, c'est ce qui est exécuté, c'est la méthode qui sera exécutée, la fonction qui sera exécutée si l'appel se déroule correctement. Alors qu'est-ce qui se passe en cas de succès? La réponse qu'on reçoit, eh ben, on va dire, on va la positionner dans Somme. Donc on va l'écrire à cet endroit-là du formulaire, à la place des trois petits points, c'est-à-dire ici. Donc c'est ce texte-là qu'on reçoit, on fait une demande de ce texte à Somme, et ce qui nous donne comme résultat, on va l'afficher ici. Et si ça ne marche pas, on a erreur qui est la fonction qui est associée à erreur qui est affichée, qui est exécutée, excusez-moi, et donc là on écrit échec de la requête. Alors nous ce qu'on va faire, donc alors Somme on peut le regarder, hein, donc c'est simple, hein, c'est un formulaire, donc c'est un script, hein, comme si on avait un formulaire get en face, hein, ce qu'on a précisé, deux nombres. On calcule la somme et on fait un écho de ce texte concaténé. D'ailleurs, on peut l'utiliser directement. Hein. Rien n'empêche, par exemple, de dire, voilà, je vais ici, et je fais appel directement à somme. Ah, flûte, j'ai loupé mon coup. J'ai oublié de préciser. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, on va se mettre ici. http://. localhost, donc c'est en 8080/, voilà, somme. Voilà, donc là on obtient notre résultat. Donc c'est ce que nous donne ce script là, hein, c'est-à-dire que c'est cette chaîne de caractères, c'est le résultat de ce script PHP, et le résultat de cette chaîne va être affiché ici. Hein. Alors qui fait ce job? Juste pour être au clair, donc on revient sur les scripts. Donc le résultat de somme, il est récupéré ici, voilà, et ici on va lui dire voilà qu'il faut l'afficher comme texte dans l'élément HTML d'ID somme, c'est-à-dire celui-là. Voilà, donc là on a fait un peu le tour, hein, donc faut bien comprendre ça. Donc on est sur un formulaire, donc quand on fait un calcul. Voilà, ici, donc c'est important de regarder ici, donc il y a le serveur, hein, et donc il y a une seule requête, hein, 4578, celle qu'on vient de faire, la page ici ne bouge pas. Donc c'est tout ça l'intérêt d'Ajax, c'est on va pouvoir solliciter un serveur distant, récupérer des informations et aller les placer dans la page sans avoir à recharger complètement cette page. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Donc sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.